Salut, je m'appelle Youssou, mais on m'appelle Yous et il y a des gens qui m'appellent aussi YN35. Ma première passion, c'était le foot. Et après, mes parents sont dit que j'allais être trop grand pour jouer au foot, donc ils voulaient que je joue au basket. Petit, je voulais être comme Ronaldinho parce que j'ai trouvé qu'il était tellement bon au foot et il faisait tellement de plaisir aux gens que je me disais tout le temps que je voulais être comme ça. Mes potes se moquaient tout le temps de moi parce que j'étais beaucoup plus grand qu'eux. Dans ma chambre, j'avais une grosse poster de Michael Jordan qui était vraiment genre grand, plus grand que moi-même. Mon père qui était parti aux États-Unis et il l'avait amené. Même avec ça, j'aimais pas trop le basket. Donc. Si je pouvais parler au gosse que j'étais à 12 ans, peut-être j'allais lui dire de peut-être commencer à jouer au basket beaucoup plus tôt. Et je les mettrais en garde juste contre toutes les choses qui sont pas légales et de bien se concentrer à l'école. La personne avec laquelle je reste plus longtemps au téléphone, c'est ma grande sœur. En moyenne, on peut parler genre parfois 2 heures de temps. Ou parfois on parle 1 heure, elle raccroche, après elle rappelle encore, c'est vraiment mon complice. Je sais que parfois être sur les réseaux sociaux de trop, c'est une perte de temps, mais comme on est les générations des réseaux sociaux, on ne peut pas en empêcher. La chose à laquelle je ne peux pas résister, c'est la glace, même si que je sais que en avoir trop, c'est pas bon pour moi, mais j'essaie tout le temps de ne pas avoir en avoir trop, mais je peux pas le laisser, c'est sûr. Mais moi, mon animal totem, c'est le lion. Mais si je devais me réincarner, ce serait serpent. Si je pouvais être n'importe qui un jour, je serais le président du Sénégal. Et j'en profiterais pour aider les gens démunis et les orphelins, tous les gens qui ont vraiment besoin d'aide. La personne à qui je demande conseil, c'est à mon père. Et dans l'équipe, je parle avec tout le monde, genre, parce que parfois c'est bien d'écouter différentes voix et pour savoir juste leur perspective sur les choses qui se passent dans ta vie ou sur le terrain. Donc, tu essaies tout le temps de parler avec tout le monde pour voir. Dans l'équipe, je pense que Kenny est le meilleur comédien et que je pense que Devin, c'est le pire. Mais aucun d'entre eux ne m'arrive à la cheville quand il s'agit d'être sarcastique. Bref, c'est moi, je suis Youssou Ndoye, le lion, et j'aime ça.